L'eau, elle est conductrice hein, au niveau électrique, on voit bien. D'accord? C'est légèrement, le filament, il est légèrement orangé. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de l'eau de mer. Et on va voir ce qui se passe. Donc là, c'est de l'eau de mer. Alors, je vais fermer. Waouh. Ouais, là on voit que ça s'éclaire. C'est fou parce que c'est la connexion cellulaire en fait. Ouais. Nous allons voir tout ce qui est relié à l'épuisement, la fatigue, donc le plasma marin qui va rassembler tous les minéraux sur Terre. Et nous sommes avec Grégoire, qui est fondateur du site seminéraliser.com. Alors pour commencer, avant de parler des vertus, d'aller un peu plus en profondeur dans le sujet de quels sont les meilleurs plasmas et tout ça, concrètement, qu'est-ce que ça apporte au niveau du corps de consommer du plasma marin? En fait, c'est un super carburant, donc ça va permettre d'amener tous les minéraux pour notre corps d'un seul coup et dans les bonnes proportions. Donc, on peut imaginer que ça va avoir des vertus exceptionnelles pour des gens qui ont, par exemple, de l'ostéoporose. Moi, j'ai eu le cas d'une personne qui faisait de l'ostéoporose. Elle avait des douleurs articulaires. Eh bien, en fait, ça a vraiment très, très fortement limité ses douleurs au bout de quelques semaines. Une autre personne qui, par exemple, à la soixantaine, on a tendance à avoir un peu moins de libido, notamment pour les hommes avec l'érection. Eh bien, en fait, il a retrouvé l'érection du matin. Et ça, c'est plutôt un signe de bonne santé. Oui. Qu'est-ce que je vais avoir? Ça va être des personnes. Alors ça, c'est assez étonnant. Ça va être, par exemple, quelqu'un qui faisait de l'hypertension. Je vais l'expliquer après. Mais en fait, elle a régulé sa tension artérielle en prenant de l'eau de mer. Si ce n'est qu'elle l'a diluée beaucoup plus. Mais on va voir. Je vais l'expliquer après. Mais en fait, c'est, voilà. Donc, on va avoir un certain nombre de... Enfin, en termes de bienfaits, ça va être très, très large. Et pour les douleurs, parce que tu sais, tout ce qui est arthrite, arthrose. Ouais. On parle souvent d'injection de plasma marin qui n'est pas forcément autorisée en Tout France ou en Belgique ou des à fait. dans... Après, il y a des gens qui pratiquent, hein. Ouais. Mais ça, c'est naturel, ça se rapproche énormément du sang et finalement, c'est Exactement. très efficace aussi, hein. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est interdit en France, notamment, mais ça va avoir des vertus exceptionnelles en interne. Et en buvant aussi, finalement. Et en buvant aussi d'une façon alors plus générale, ça sera moins dans une zone spot en hydrotomie percutanée, comme on le dit, mais ça sera d'autant plus efficace malgré tout. Ça passera par la membrane intestinale et ça, on va donner ça à l'ensemble des cellules du corps. Donc on pourrait dire que c'est même une détox cellulaire. On va donner à manger à l'ensemble des cellules du corps. C'est vraiment, c'est la base de notre alimentation. Et on va voir qu'en fait, on est dans une forme un peu de dictature de la carence alimentaire. C'est-à-dire qu'on va. Ça va permettre de garantir l'ensemble des minéraux pour notre corps. C'est vraiment essentiel. Ok, Donc on va... finalement, c'est un super aliment, quoi. Exactement. C'est le super aliment par excellence. C'est parce qu'il y a une photosynthèse qu'en fait, on peut boire l'eau de mer. Si ce n'est qu'on ne va jamais la boire pure, mais on va la boire toujours diluée avec de l'eau. Mais ça va nous garantir, pour tous les gens qui en prennent régulièrement, en tout cas, bah, ces gens-là, en fait, ils ont la garantie d'avoir tous les minéraux. Ce qui n'est pas le cas de Monsieur Tout-le-Monde. Parce que lui, monsieur tout le monde, ben, il va avoir une alimentation qui va être plus ou moins déséquilibrée, ou plus ou moins équilibrée. Et ben là, on le garantit en fait avec l'eau de mer. C'est toute sa puissance, c'est toute sa force en fait. On va partir de constats alimentaires, agricoles, culinaires en général, notre alimentation. Et on va voir qu'en fait, on est dans un environnement qui est quand même compliqué. Et aujourd'hui, ben, on va essayer de trouver justement une solution. Ça peut être notamment l'eau de mer. Alors, un des constats que tout le monde connaît, je pense, c'est que notre alimentation, bah, elle est beaucoup, de plus en plus carencée. On prend l'exemple d'une pomme. En fait, une pomme, dans les années 50, elle équivalait à environ 100 pommes aujourd'hui. Donc, il y a eu, par exemple, à l'époque, dans les années 60, environ 3 mg, moins de 3 mg de fer. Eh ben, on est passé à quasiment plus rien aujourd'hui. Donc, en fait, ce phénomène-là, il est malheureusement récurrent dans l'ensemble de notre société, dans notre alimentation générale. Et ça, c'est dû à une chose en particulier. On parle souvent bah, le fait qu'il y ait des OGM, qu'on ait en fait beaucoup moins de variétés au niveau des sols, etc. Il y a une chose dont on parle très très peu, c'est qu'en fait, on a trop labouré les sols. Le fait de trop labourer les sols, en fait, on casse complètement les cycles naturels de la vie. Et ça passe par quoi? Vous avez l'humus qu'on retrouve plutôt au-dessus. Et l'argile qui est plutôt en dessous au niveau des sols, dans la structure des sols. Le fait de trop labourer, en fait, on va inverser, c'est-à-dire qu'on va mettre l'humus en dessous et l'argile au-dessus. Et ça, le problème, c'est que ça va avoir une incidence directe sur la qualité des sols et donc sur notre alimentation.
Ça passe par quoi? Bah, ça passe notamment par un des constats, c'est qu'on avait notamment en 1950 2 tonnes de vers de terre à l'hectare. Aujourd'hui, on est passé à environ 100 kilos à l'hectare. Voilà, donc c'est pas anodin. Et le vers de terre, qu'est-ce qu'il fait? Bah, lui, il a tendance à aller structurer les sols, hein, il aère les sols, et en même temps, il fait remonter les minéraux. Et les minéraux, comme on le sait tous, bah, ils sont plus que vitaux pour notre organisme. Donc, l'intérêt, c'est de, bah, justement, il faudrait avoir une structure des sols qui soit beaucoup plus aérée. Si vous voulez avoir une qualité des sols, on va aller marcher en forêt, par exemple. Quand on marche en forêt, on va avoir un sol qui va être plutôt spongieux, un peu comme une éponge. Ça va être un sol très, très aéré. Si on prend l'exemple d'un champ et qu'on regarde en lisière d'un champ par rapport à une forêt, on va avoir des fois des décalages de niveau de 50 cm à 1 mètre de dénivelé. Et bien ça, c'est dû notamment au fait de trop labourer les sols. Donc on voit bien que en fait, l'agriculture intensive a un impact direct sur la qualité des sols. C'est notamment pour ceux qui connaissent Lydia et Claude Bourguignon, ces deux chercheurs qui ont un peu claqué la porte de l'INRA. Et en fait, ils ont fait beaucoup, beaucoup d'analyses des sols. Ils ont démontré ça, en fait. Donc, en fait, notre alimentation, elle est de plus en plus appauvrie. Donc, il faudrait la supplémenter. Et c'est tout l'intérêt de l'eau de mer. Un autre constat. Alors, ce constat-là, ça, c'est deux chercheurs français qui ont fait une étude, en fait, en 1934. Alors, c'est une étude qu'on ne pourrait pas reproduire actuellement, hein, parce qu'on n'a pas, en fait, on n'a plus d'alimentation locale. C'est une alimentation qui vient un peu partout, donc on ne pourrait pas la reproduire. En fait, qu'est-ce qu'ils ont voulu voir? Ils ont voulu faire un lien entre les carences en magnésium dans les sols et les concentrations de cancer en France. Et en fait, ils se sont rendus compte que bah, là où on avait, par exemple, dans le Grand Sud-Ouest, une forte concentration des sols en magnésium, bah, bizarrement, on avait en 1934 environ 3,5 cas pour 10 000 personnes de cas de cancer. Et de l'autre côté, dans la grande Île-de-France, absence de magnésium dans les sols, et ben on se retrouvait en fait avec 8,5 cas pour 10 000 personnes. Donc on voit bien la différence. Donc on comprend qu'en fait, il y a une vraie définition, en fait, un lien entre ben, la carence des sols et notre alimentation, et donc notre santé. Ça, c'est primordial. Tu sais, j'ai fait une conférence sur le cancer et il revient au même constat sur le magnésium. Ah oui, tu vois. Et Marie-Billy, pareil, sur le magnésium. Donc, la prévention, c'est de consommer plus de magnésium ou d'autres, bon, tous les minéraux, hein, potassium, quand il fait chaud, il nous faut plus de potassium, de magnésium, parce qu'on transpire plus, ce qui est logique pour les sportifs aussi, en cas de canicule aussi. Et donc, ça revient à ce que tu dis, c'est très pertinent. Ouais. Et d'autant plus, j'allais pas le dire, mais en effet, l'agriculture moderne, elle a beaucoup plus de potasse dans les sols, de potassium, que de magnésium. Donc, si on a une alimentation qui est un peu industrielle, bah forcément, on va avoir des déséquilibres en magnésium. On va souvent être en carence en magnésium. Et c'est ce qui gère aussi le sommeil, l'humeur, le stress. Plus on stresse, plus on pompe dans les minéraux, parce que bah, le corps, il va pomper dans les minéraux. Plus il est stressé, plus il va lui falloir de vitamines et de minéraux, donc de carburant. Exactement. C'est ce que dit notamment Joe Dispenza. Il dénonce qu'en fait, il dit que notre façon de penser a un impact direct sur notre physiologie, sur notre corps. Donc, plus on va se créer un stress, et c'est pour ça qu'on peut faire du yoga notamment, toi t'en fais, plus on va justement combattre ce stress oxydatif qui est global en fait. En fait, on a une alimentation qui est beaucoup trop acidifiante. Quand je dis acidifiante, c'est-à-dire après digestion. Ce qui compte, c'est pas forcément notre alimentation au départ. Hein. Si on prend l'exemple d'un riz au lait, le riz au lait, il est plutôt alcalin de goût. Par contre, en fait, il est acidifiant après digestion. Donc là, on peut voir, si on prend par exemple le parmesan, bien après digestion, il est très acidifiant pour l'organisme. Et là, on va continuer encore dans la partie oxydative, justement, liée à notre mental en plus. Donc, quand on regarde le tableau, on se rend compte que on a beaucoup d'aliments, des légumes, des fruits, qui vont être plutôt alcalinisants. Par contre, quand on va partir sur des viandes, les œufs, les fromages, tout ce qui est plutôt transformé, on aura une alimentation à l'inverse qui sera trop acidifiante. Vous savez, c'est l'histoire des petites bandelettes de pH urinaire, là, hein.
En fait, on fait un test avant et après. Donc, au niveau urinaire, c'est donc après digestion. Ça permet de voir, en fait, si on a un terrain qui est plutôt acide ou alcalin. Voilà. Donc ça, malheureusement, il faut être aussi sélectif aujourd'hui dans notre alimentation. C'est important. En fait, ce genre de choses, justement, sur l'acidité, il y a un monsieur qui l'a bien défini, Otto Heinrich Warburg, c'est un Allemand, et lui, en fait, il avait donné la définition de ce que c'était que la maladie. En fait, il a dit, en gros, que là où il y a de l'oxygène et de l'alcalinité, eh bien, en fait, il ne peut y avoir de maladie, y compris le cancer. En gros, qu'est-ce qui se passe? Les cellules, elles baignent dans un environnement plus ou moins alcalin ou acide, avec plus ou moins d'oxygène. Si le pH, il se déséquilibre, donc il baisse, l'oxygène, elle a tendance aussi à baisser. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ces cellules, elles vont respirer dans un environnement qu'on dit anaérobique. Et donc, ça va créer des fermentations pathogènes. Et ces fermentations pathogènes, le problème, c'est qu'elles vont créer encore plus d'acidité. Et donc, en fait, le cancer, c'est le résultat, justement, d'un terrain acide. Et lui, il a dénoncé ça dans les années 40. Et il faut savoir que ce monsieur, ce n'était pas n'importe qui, parce qu'il était prix Nobel de physiologie et de médecine en 1931. Il a été, d'ailleurs, c'est le seul scientifique qui a été nominé 47 fois au prix Nobel durant sa longue carrière. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Et lui, il a donné un petit peu la définition ce que c'était que la maladie et notamment le cancer. Donc, ça donne un peu le là, si vous voulez, ça donne un peu la définition de ce vers quoi, où on devrait tendre, en tout cas, ça va être un terrain plutôt alcalin. Et puis, faire du sport, s'oxygéner, notamment les cellules. Très important. Alors, je vais vous parler de la fameuse découverte de René Quinton. Donc, René Quinton, en fait, c'était un peu un autodidacte. Il était parti sur le postulat que nous, en tant qu'humains, il y avait une corrélation entre l'eau de mer, donc la minéralité de l'eau de mer, la composition de l'eau de mer, et notre plasma sanguin, donc la composition du sang. Il était parti de ce postulat-là et il a fait une expérience sur un chien qui était très déshydraté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a remplacé son sang par de l'eau de mer. Donc ça, c'était en 1897. Et en fait, il s'est rendu compte que le chien, heure après heure et jour après jour, il allait beaucoup mieux. Donc il a fait des analyses supplémentaires dans les hôpitaux parisiens en intraveineuse. À l'époque, il faut savoir que vous aviez beaucoup de cas de choléra. Il y avait beaucoup d'enfants dénutris notamment. Et en fait, pendant sa carrière, il a fait énormément contre ces maladies-là, notamment. Il avait mis en place des dispensaires partout en Europe, aux États-Unis, en Égypte. Il a même traité le roi d'Égypte à l'époque. Il faut savoir, pour la petite histoire, que l'eau de Quinton, c'est devenu une marque, mais ou le plasma marin, l'eau de mer, en fait, c'était un médicament jusqu'en 1982. Avec une AMM, on appelle ça, donc c'est une autorisation de mise sur le marché. Et donc c'est vraiment, c'est une solution vraiment extraordinaire. Et donc en fait, à l'époque, jusqu'en 82, donc on pouvait l'injecter en sous-cutané ou en intraveineuse. C'est plus le cas aujourd'hui. Alors il y a une étude qui avait été faite d'ailleurs, on parlait du cancer tout à l'heure, qui n'est pas inintéressante, c'est qu'un Américain, un scientifique, le docteur Murray, dans les années 70 de mémoire, il avait dit en fait qu'il n'y avait aucune trace de cancer dans les océans. Mais en fait, c'est très intéressant parce que ça rejoint un petit peu ce que disait Otto Heinrich Warburg tout à l'heure, c'est que dans les océans, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un pH qui est très alcalin. Moi, l'eau de mer que je propose, elle est au-dessus de 8, 8,2 de pH. Et il y a beaucoup d'oxygène. Le premier producteur d'oxygène sur Terre, eh bien, en fait, sur notre planète en tout cas, c'est les océans. Et donc ça, c'est, on rejoint justement les travaux d'Otto Heinrich Warburg. Il ne peut pas y avoir de cancer dans les poissons, dans les crustacés et dans l'eau de mer en général, parce qu'en fait, on a un terrain qui est très alcalin et en même temps très oxygénant. Voilà. Alors, pour ceux qui connaissent, par rapport à tous les constats que j'ai pu faire là, que ce soit agricole, alimentaire, et puis même psychologique, on pourrait dire, certains vont connaître peut-être les ampoules de Quinton, enfin les ampoules d'eau de mer. On va plutôt partir sur une grosse quantité. C'est-à-dire que là, en fait, l'information, l'ampoule, elle va vous donner
une information, ça va être un peu comme de l'homéopathie. Par contre, elle ne va pas donner la quantité. Nous, ce qui va manquer, c'est justement ces carences minérales. Donc, mais qu'est-ce que tu appelles par quantité, du coup ? C'est quoi la quantité ? Alors, au lieu de mettre, notamment dans un verre, une ampoule, ça fait 10 millilitres, eh bien, en fait, on va mettre 5 ampoules dans un verre et le reste en eau. 50 millilitres. Voilà, exactement. Donc, 50 millilitres plus 150 millilitres d'eau. Donc, sur un verre, ça représente quoi ? Ça représente un fond, un demi-verre ? Un quart. En fait, on met un quart d'eau de mer dans le verre et trois quarts d'eau. Et on va boire, en fait, un verre le matin, voire un deuxième l'après-midi. Pour la petite histoire, alors moi, j'ai dans mon entourage un de mes consommateurs qui était... il fait 2 mètres de haut, 130 kilos, donc a énormément, beaucoup plus de cellules. En fait, c'est quelqu'un qui était paralysé à vie. Et ce monsieur, en fait, il a pu sortir de son problème de santé majeure en prenant de l'eau de mer. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a bu, en fait, 3 litres. Il boit 3 litres isotoniques par jour. C'est-à-dire qu'il la boit diluée, comme on dit, donc à un quart, 25%, avec de l'eau. Et il boit environ 3 litres par jour. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de limite de consommation. On peut en prendre autant qu'on veut. Par contre, on va toujours la diluer. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. La dénutrition cellulaire, c'est vraiment pour moi le mal du siècle. Ah oui. Où que ce soit comme douleur et tout, si le corps n'a pas les ressources, le carburant pour traiter la douleur, parce qu'il est quand même conçu pour se réparer, mais si on n'a plus le bon carburant, bah forcément, la dénutrition cellulaire, ça fait mal. Et ça, il y a des gens qui sont contre les compléments alimentaires. Je peux comprendre parce qu'il y a des abus, parce qu'il y a des molécules qui ne doivent pas se consommer seules. Il faut quand même avoir un petit peu tous les vitamines et minéraux équilibrés au même niveau. Enfin, je veux dire, chacun a son équilibre. Mais quand on prend, par exemple, du plasma marin, l'équilibre est dedans. Donc pour moi, c'est un peu surnaturel, enfin, c'est de penser qu'on n'a pas besoin de nutrition complémentaire. Ouais. Voilà. Donc, c'est chacun à son avis, mais de mon point de vue, avec les centaines et centaines de personnes que j'aide au quotidien, je vois que c'est toujours il y a toujours une base de dénutrition cellulaire. Il y a le mental aussi, mais il y a la problématique, les douleurs, la perte de poids et tout ça, c'est parce que la nourriture, elle n'est pas. Et puis, ça crée un stress métabolique si les gens ne sont pas assez nourris, en plus. Oui, tout à fait. En fait, il faut bien comprendre que l'eau de mer, elle a cette vertu incroyable de pouvoir rassembler tous les minéraux. Il faut se le visionner, en fait. Hein. C'est-à-dire que quand vous prenez un complément alimentaire végétal, vous aurez 15, 20 minéraux ou oligo-éléments différents maximum. L'eau de mer, elle, c'est juste 78 différents, en fait. Voilà. C'est ça qui est assez phénoménal. Et ça, on ne peut pas le reproduire d'un point de vue industriel, ce n'est pas possible. Donc, faut bien le prendre en compte, quoi. C'est vraiment quelque chose de majeur. Tu sais, juste petite parenthèse par rapport au plasma, donc il y a tous les minéraux dedans. Mais ouais. J'ai remarqué que pour certaines personnes, on devait rajouter du magnésium parce qu'ils pompaient plus de magnésium par rapport à leur personnalité. Donc, il y a des gens, ils vont avoir besoin de cet équilibre-là. Ouais. Ils l'utilisent. Et parfois, on peut aussi vérifier. Donc, soit on peut vérifier de plein de manières, on peut faire un check. Il faut savoir aussi que, par exemple, quand il fait chaud, il faut consommer plus de potassium. Mmh. Et c'est OK d'avaler des gélules de potassium parce que ça va nous faire du bien. Ceux qui ont mal à la tête, qui ne vont pas boire assez, donc déjà, il faut boire. Mmh. Et si on transpire, ben, c'est normal que les minéraux sortent du corps. Donc, il faut en remettre d'autres. Voilà. C'est bien là le problème, d'ailleurs, des sportifs. Hein. C'est-à-dire qu'un sportif, il a tendance à... S'il a une alimentation qui est faiblard, il va accélérer son processus de vieillissement, en fait. C'est-à-dire qu'il va suer, il va boire, il va suer, il va boire, il va suer, en fait. Donc, il va, en gros, se vider, il va se lessiver. Et le problème, c'est que si derrière, il n'a pas une alimentation riche, et notamment des fruits, des légumes, le moins transformé, le moins cuit possible, là, ça va être problématique, parce qu'il va avoir une fatigue chronique, en fait, qui va s'installer. Donc, on va pouvoir le comparer, entre guillemets, à des personnes âgées. Voilà. Mais ça, c'est pas que pour les sportifs. Les personnes qui cherchent à perdre du poids, elles se mettent en restriction et ça crée des bouleversements hormonaux et de la nutrition et c'est tout ce qu'on veut pas. Et en fait, il faut ajouter de la nutrition plutôt que d'en enlever et de manger des aliments vides. Mais ça, c'est un vrai sujet. C'est pour ça que, en attendant que la personne trouve sa solution, c'est intéressant au moins de se complémenter
Et si elle voit que ça lui fait du bien, on n'arrête pas. Moi, j'ai souvent le cas de personnes, je vais leur recommander soit le plasma, soit d'autres choses, et le plasma. Et elle, à un moment donné, elle me dit « oui, ça me fait du bien et tout ça, et puis j'ai perdu du poids, alors pas que avec le plasma, mais sur des trucs. Mmh. » Et puis, elles arrêtent quelque chose qui leur fait du bien. Alors moi, ça n'a pas de sens. Et en fait, il y a une personne l'autre jour qui m'a posé la question, j'utilisais ça comme complément, ça me faisait du bien, mais j'ai dit « mais pourquoi tu l'as arrêté ?» C'est bizarre, en fait. C'est comme si je te disais bah tiens on va arrêter de manger de la salade. Tu vois, c'est le même genre. C'est-à-dire non, on va en manger de la salade. Bah là en fait, on a affaire à un super aliment, c'est-à-dire que comme il y a une photosynthèse qui est passée par là, eh ben en fait, c'est biodisponible à 100%, on va le voir avec un schéma tout à l'heure. Mais c'est fondamental hein, c'est vraiment la base alimentaire quoi, c'est une base alimentaire. Juste pour montrer en fait un peu la découverte de René Quinton avec ce schéma là, le slide là. En fait, on remarque qu'on a donc l'eau de mer, la composition de l'eau de mer donc à gauche. Donc là, elle est dans sa forme diluée, on dit isotonique, je vais y revenir tout à l'heure. Vous avez donc là le liquide extracellulaire, bah, quand on goûte nos larmes, hein, quand on goûte nos larmes si on pleure, ça goûte sel. Bah, ça, c'est notre liquide extracellulaire. Et donc à droite, on va voir le plasma sanguin, donc la composition du sang. On remarque en fait qu'entre les trois, on trouve à quelque chose près, à quasiment la même, le taux de minéralité est identique. Et en même temps, bah, les mêmes proportions. C'est assez incroyable. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il y a un peu plus de magnésium dans l'eau de mer que dans notre corps. C'est super, c'est-à-dire que le bon Dieu, il avait bien fait les choses, il avait rajouté un peu plus de magnésium. Comme quoi, c'est assez incroyable, il n'y a pas de hasard. Alors, on va faire une petite expérience. Je vais parler du liquide extracellulaire, mais avant ça, je vais vous faire une petite expérience. Alors là, vous avez en fait donc un bac avec de l'eau dedans, c'est de l'eau du robinet. Et puis, vous avez deux clous. Qui sont légèrement rouillés d'ailleurs, donc une anode, une cathode en gros, et c'est branché sur du 220 volts. Hein, vous avez donc un système, voilà, donc c'est branché sur du 220 volts. Quand j'allume, en fait, vous allez voir, ça va légèrement s'éclairer. Alors, ça prend un petit peu de temps parce que c'est conducteur, hein, vous connaissez tous, l'eau, elle est conductrice hein, au niveau électrique, on voit bien, d'accord, c'est légèrement, le filament, il est légèrement orangé. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de l'eau de mer. Et on va voir ce qui se passe. Donc là, c'est de l'eau de mer. Alors, je vais fermer. Waouh. C'est fou, hein. Bah, on ne voit pas bien la lampe, mais je vois la moitié de la lampe. Mets-la devant l'écran, parce qu'en fait, on ne la voit pas. Ouais, là, on voit que ça s'éclaire. C'est fou, parce que c'est la connexion cellulaire, en fait. Ouais. Ah ouais. En fait, si vous voulez avoir la lumière à tous les étages, je vous conseille de boire de l'eau de mer. Hein. ce que je veux dire par là, en fait, c'est que les minéraux, ils fonctionnent comme des aimants. C'est des conducteurs. Si on n'a pas tous les minéraux dans notre corps, et notamment dans le liquide extracellulaire, eh bien, il n'y aura pas assez de connexion. Le liquide extracellulaire, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un environnement d'eau et de minéraux. On l'appelait d'ailleurs l'espace de Pischinger, de celui qui l'a découvert en 1950. Et en fait, nos cellules elles baignent dans un environnement avec de l'eau, des minéraux, et puis il y a bah, des connexions nerveuses qui vont se faire avec donc les nerfs et puis bah, cet environnement. Et dans cet environnement, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a des minéraux. S'il n'y avait pas de minéraux, il n'y aurait pas d'échange, il n'y aurait pas de connexion nerveuse possible. Et si d'ailleurs il y a trop de métaux lourds, ben, on va avoir la maladie d'Alzheimer, Parkinson, etc. On va se mettre à trembler, etc. Voyez. Donc, c'est plus que primordial. C'est votre carburant. Quand je fais cette expérience-là, c'est vraiment pour vous montrer qu'en fait, notre corps, il fonctionne comme une ampoule, comme une batterie, en fait. C'est-à-dire que si on n'a pas notre carburant, et le premier des carburants avant les vitamines, c'est les minéraux. Si déjà vous avez le totem iono-minéral, on appelle ça, c'est-à-dire l'ensemble des minéraux, ben, ça va déjà permettre d'aider à métaboliser les vitamines. Donc, c'est essentiel pour l'organisme. Voilà, c'était vraiment pour vous montrer que notre corps, il fonctionne comme une batterie, comme une voiture électrique d'ailleurs. Ben, en fait, si on veut que tout fonctionne, il faut avoir l'ensemble des minéraux et ça, il faudrait l'avoir tout le temps. En fait. Je voudrais revenir sur la détox cellulaire parce qu'en fait, il y a plusieurs moyens de détoxifier. J'en parle souvent sur la chaîne comme je suis spécialisée dans la détox et la minceur. Il y a plusieurs moyens de détoxifier. Il y a des choses qui vont emporter
et il y a des choses qui vont reminéraliser. Donc, et il y a de la détox au niveau cellulaire, il y a de la détox au niveau du foie, il y a de la détox au niveau des reins, des intestins, des poumons. Donc, on en a parlé dans la précédente vidéo aussi sur l'argile et la sève de bouleau. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur concrètement qu'est-ce que ça fait sur le corps, le plasma marin, en termes de détox cellulaire ? Alors, ça va être très très large. Comme c'est notre carburant, ben, on va avoir, ça va travailler sur l'ensemble du corps. L'iode, elle va travailler sur la thyroïde, donc c'est les émotions en général. Le calcium, ça va être sur les articulations, les os, le magnésium sur les articulations. Le sodium, le potassium, ils vont réguler tout ce qui est tension artérielle. Le zinc, il va travailler notamment dans tout ce qui est immunité en général, toutes les défenses immunitaires en général. Le phosphore, ça va être en lien avec votre QI notamment. Ça va être très très large. Ça, c'est la reminéralisation finalement. Oui, tout à fait. On va donner à manger aux cellules. C'est-à-dire que la cellule, on va lui donner à manger. Ça va être différents minéraux et oligo-éléments. Et elle va retirer certains métaux lourds, notamment parce que l'eau de mer, elle est chélatrice. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais du coup, ça va faire une vraie détox. Mais c'est une détox globale, puisqu'on parle de l'ensemble des cellules du corps. Ça va être une et douce. Détox globale. Plutôt douce. Ça dépend de la quantité qu'on va ingérer, quoi. Ouais, puis ça dépend de notre environnement. C'est-à-dire que si quelqu'un qui a beaucoup de métaux lourds, moi, quand j'ai commencé à distribuer l'eau de mer, avant, j'étais commercial, j'étais beaucoup au restaurant, j'avais dû emmagasiner pas mal de toxines et de métaux lourds. En fait, pendant les 21 premiers jours, quand j'ai fait cette détox cellulaire, j'avais des petits coups de mou, des petits coups de barre. Ben ça, c'est justement les métaux lourds qui sortaient justement des cellules. Et ben, ça peut être donc une interprétation, une conséquence comme ça de fatigue un petit peu qui peut arriver. Ça peut durer 21 jours. Normalement, au bout de 21 jours, ça a tendance à décroître fortement. Donc, pour que les gens comprennent, les métaux lourds sont remis en circulation. Quand on fait une détox cellulaire, donc par la peau ou par différents émonctoires, il y a des choses qui sortent des cellules ou qui sortent des cellules aussi graisseuses hein, et qui sont remis en circulation pour être évacuées. C'est ça. Est-ce que, de ton point de vue, il y a des choses qui peuvent aider pour éliminer plus rapidement les déchets? Quand les déchets sont en recirculation, c'est là où c'est intéressant qu'il y ait des actions complémentaires de faire pour les évacuer plus rapidement. On l'a dit tout à l'heure avec les détox organiques et chimiques pour ce qui est de l'argile et de la sève de bouleau lactofermentée. Donc ça, on va travailler plutôt sur la tuyauterie, hein, donc les organes de détox, les gros tuyaux. Ça va accélérer. Voilà, ça c'est une chose, ça peut être faire des jeûnes hein, aussi, hein. Le fait de jeûner, on va limiter l'assimilation d'aliments qui ne sont pas forcément intéressants. Mettre les organes au repos. C'est très intéressant de prendre en même temps. Quand on met les organes au repos, parce qu'on utilise 70% de notre énergie pour digérer, donc c'est énorme. Et quand on met les organes au repos, eh bien ils ont le temps d'évacuer tous les déchets qui sont en retard. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, tu fais bien de le dire parce que 70% de l'énergie qu'on utilise est pour la digestion. Alors oui, et en même temps, ça dépend qu'est-ce qu'on va manger. C'est-à-dire que si on prend du gluten, des laitages, du sucre, des éléments qui en fait vont être difficiles à digérer, il est clair qu'on va être beaucoup plus facilement fatigué. On prend tous l'exemple d'une raclette, hein, on fait une raclette partie, on va avoir du mal à digérer, on va être fatigué après. On prend une pizza le midi, on va vouloir prendre un café après parce qu'on va être fatigué. Essayer de limiter pendant quelques jours ou pendant une semaine le gluten, on va déjà voir la différence. Moi, je l'ai vu à titre personnel et c'est flagrant. Hein, les céréales en général, hein, parce que maintenant, les céréales ne sont pas de bonne qualité. Donc, si vous pouvez limiter, si vous n'avez pas un travail qui vous demande des efforts physiques, comme dans le bâtiment, des choses comme ça, limiter les céréales va énormément vous aider. Et j'irai plus loin, ça peut paraître contre-intuitif ce que je veux dire, mais c'est très très efficace parce que j'utilise certains protocoles comme ça pour la perte de poids. C'est transpirer. Quand vous êtes en train de faire une détox, donc tout ce qui est toxine va être remis en circulation, donc c'est prêt à être éjecté. On peut par toutes les voies, on peut les éjecter, y compris par la voie de la peau, la transpiration. Et c'est une voie qui ne va pas faire travailler trop fort les émonctoires. Ouais. Donc, c'est intéressant de faire du sport en transpirant et ou
d'aller dans les saunas pour éjecter vraiment toutes ces toxines. Bien sûr, si vous allez dans le sauna, vous allez transpirer. Donc, il va falloir encore plus se complémenter en minéraux. Ça, c'est très important parce que les gens oublient. Ils font l'erreur d'aller faire plein de saunas et tout ça. Et au final, c'est comme les sportifs, ça leur crée une dénutrition. Mais ça remplace, c'est-à-dire que les toxines sortent et on remplace par des minéraux. C'est vraiment un très bon cycle. Et ne pas oublier les oméga-3, d'être bien complémentés, surtout pour évacuer les mauvaises graisses par des nouvelles bonnes graisses. Je rebondis sur ce que tu dis. L'eau toute seule, l'eau, elle déshydrate en fait, paradoxalement. C'est-à-dire qu'elle a tendance à emporter les éléments. Si on boit que de l'eau, sans des vrais minéraux, elle emporte, elle lessive. Ben la définition même de l'hydratation, c'est l'eau de mer avec de l'eau, en fait, c'est de l'eau de mer isotonique. Parce qu'on amène des vrais minéraux qui sont biodisponibles à 100%, et en même temps, donc on donne à manger aux cellules, donc on garde, on structure la cellule, et elle, comme elle est gonflée, ben elle garde l'eau. Et ça, c'est le principe. Moi, j'ai vu des cas, notamment, tu me demandais pour les bienfaits tout à l'heure, de personnes âgées qui se sont mis à l'eau de mer au quotidien, en boisson, donc isotonique. J'ai vu, moi, leur visage changer. Oui, c'est-à-dire qu'ils avaient beaucoup moins de rides. En fait, ça fait une sorte de rajeunissement cellulaire. C'est pas qu'une sorte, d'ailleurs, parce que c'est plutôt c'est vrai, parce que c'est la définition même de l'hydratation. Comme on gonfle les cellules du corps, on gonfle l'épiderme. Du coup, forcément, au niveau visuel, on va bien voir qu'on aura beaucoup moins de rides. Et ça, c'est ça hydrate. Ça hydrate. C'est le principe même de l'hydratation. C'est juste ça. Après, l'eau comme base, ça dépend de la qualité, encore une fois, de l'eau, même si c'est intéressant de mettre du plasma dedans. Ça, les deux fonctions, c'est d'hydrater et d'emporter les déchets. Exactement. Mais c'est vrai que, pareil, sur la qualité de l'eau, maintenant, on a des problèmes aussi, surtout l'eau du robinet. Surtout que ce que je n'ai pas dit, mais bon, on en avait parlé sur l'autre vidéo, c'est que les minéraux qu'on a dans les eaux en bouteille, tous les minéraux qu'on a dans les eaux en bouteille, c'est des minéraux cailloux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de photosynthèse qui sont passés par là. Je vais vous montrer un schéma juste avant, là, celui-là. En fait, il y a une photosynthèse, c'est-à-dire que on connaît tous la photosynthèse végétale. Donc, on retrouve dans tous les processus de légumes et de fruits. Ben là, en fait, on a une autre photosynthèse qui est marine. On a des producteurs, ça va être l'activité humaine, l'érosion, les sables du désert, tout ça. Tous ces éléments-là, ils vont être transportés par ruissellement de la terre vers la mer, et notamment par les eaux de pluie. Ça va arriver jusqu'à la mer, et là, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une photosynthèse, et le premier responsable, c'est le plancton marin. Ce petit bonhomme-là, enfin, cette petite bestiole, entre guillemets, elle va manger le minéral caillou, elle va le digérer, elle va en faire comme du caca, et en fait, elle va rendre le minéral organique. C'est-à-dire qu'on passe d'un état inorganique à un état organique. Et ça, c'est fondamental pour notre organisme. Si on veut avoir une digestion à 100%, une hydratation à 100%, une assimilation à 100%, il faut passer par ce processus-là. Et ça, il n'y en a pas 36, il n'y en a que deux, c'est soit végétal, soit marin. Et on le voit d'ailleurs dans le prochain schéma. Là, on voit la membrane intestinale en vert. Vous avez donc le sang en rouge. Si on prend des éléments qui vont être trop cuits, donc la raclette, tout ce qui est aliments qui sort du four, etc. Les eaux minérales, c'est 2-3% d'assimilation. Tout ce qui est compléments alimentaires qui sont peu assimilables, on en vend malheureusement. Il y en a beaucoup qui en vendent, des minéraux qui sont peu assimilables. Eh bien, en fait, on va être obligé d'utiliser des enzymes pour aider à digérer. Et donc ça, le problème, c'est que ça va être coûteux en énergie et ça va être long en digestion. Et ça va donc, en fait, acidifier l'organisme. Mais nous, on va plutôt s'intéresser à l'autre cas. Donc, il y a deux solutions pour ça. On va avoir la photosynthèse végétale, donc les légumes, les fruits, la sève de bouleau notamment, et puis la photosynthèse marine. Et donc là, on va avoir des vrais minéraux. En fait, il y a un acide aminé, comme on peut le voir sur le schéma en bas à droite, donc un chélate, on appelle ça. Il y a un acide aminé qu'on voit qui est greffé sur le minéral caillou en gris, là. Et en fait, ça va permettre d'avoir une assimilation à 100%. Et ça va aller directement, en une demi-heure de temps, dans le sang. Donc forcément que ça va avoir un impact direct. Ça va même fluidifier le sang pour les gens qui ont des problèmes d'AVC, qui ont des problèmes donc le sang qui est trop coagulé, de certaines conséquences. En fait, ça va permettre de redonner vie au corps, en fait. Redonner tous les nutriments que le corps il a besoin, et ça en quantité. En plus, en l'alcalinisant, donc c'est encore plus intéressant.
Alors là, on a, je ne sais pas si tu as montré le prochain slide. Oui. On voit donc la différence entre le sel de cuisine, si on veut aller un peu plus loin, et l'eau de mer. En fait, le sel de cuisine, en quelque sorte, c'est de l'eau de mer qui est cuite. Hein, c'est comme de l'eau de mer pasteurisée, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on l'a laissée au soleil, et le soleil, lui, il va évaporer les nutriments. Donc, il va rester les deux principaux minéraux dedans, qui sont le chlore et le sodium. Alors, si on a un sel qui est, comment dire, mince, j'ai plus le nom en tête. De bonne qualité ou ouais, qui est, le sel de Guérande, quoi. Oui, le sel de Guérande, qui est non raffiné ou raffiné, évidemment, on va avoir des nuances. Hein. Il vaut mieux partir sur un sel qui ne soit pas raffiné, puisqu'il aura beaucoup plus de minéraux. Le sel de Guérande, il est très bien. Moi, j'ai vu j'ai été sur place pour la fabrication, c'est très qualitatif. Ouais, ouais. Ouais. Parce qu'il est pas, il est peu raffiné ou pas du tout. C'est tout l'intérêt. Par contre, la problématique, quand même, c'est qu'on est dans une forme cristal. Hein, et la forme cristal, elle a tendance à développer un peu des maladies d'encrassement pour certains. Donc, paradoxalement, donc ça va être un petit peu acidifiant. L'intérêt de l'eau de mer, c'est que là, on a tous les minéraux, déjà, hein, au lieu d'en avoir que deux. On va avoir tous les minéraux, dont du potassium et du magnésium. Et qu'est-ce qu'ils font en particulier, ces deux éléments-là? Et bien, en fait, ils vont réguler justement la tension artérielle. Donc, même pour les gens qui font de l'hypertension, et bien, c'est tout l'intérêt de boire de l'eau de mer. Mais alors, pour ces gens-là, on ne va pas la diluer à un quart, comme je disais tout à l'heure, à 25%. On va plutôt la diluer à 5 ou 10% en fonction de chaque terrain. Et alors là où c'est intéressant, c'est qu'en fait on appelle ça un chélateur. Un chélateur, c'est un peu le calgon à chaque lavage, c'est-à-dire qu'en gros ça va ronger le tartre qu'on a pu cumuler, c'est un détartrant, et ça va limiter les calculs rénaux au niveau des reins. Donc voilà, tout ce qui est problème rénaux, on va limiter toutes ces maladies d'encrassage. Donc c'est vraiment formidable, hein. L'eau de mer, c'est faut bien comprendre qu'on retrouve notre état de alimentaire qu'on aurait dû avoir depuis longtemps, quoi. Donc c'est vraiment la base de la vie. Alors ce schéma, justement, on parlait de la vie et de l'énergie en général. Il donne la définition un petit peu de la vie sur Terre. C'est-à-dire que les minéraux, comme on a pu le voir avec l'expérience qu'on a fait, en fait, ils fonctionnent comme des aimants. Si on prend l'exemple du magnésium, le magnésium, en fait, c'est Mg2+, il y a un plus à la fin. Ça veut dire qu'il est de charge positive. Et bien, paradoxalement, il va être en opposition avec le calcium, Ca+. En fait, quand vous avez deux éléments qui sont de charge positive, ils ont tendance à s'inhiber. En gros, je vous explique, si vous faites une cure de magnésium, uniquement du magnésium, vous allez avoir tendance à créer une carence en calcium. Donc, ça va créer, paradoxalement, dans le temps, des maladies d'encrassement. Si vous prenez, je donne un autre exemple, si vous prenez du sodium, donc du sel de table, hein, en quantité, trop de sodium, vous allez créer une carence, on peut le voir en bas, en potassium. Le sodium, c'est Na+, le potassium, c'est K+. Plus, ça s'inhibe. L'intérêt de l'eau de mer, c'est qu'on amène tous les minéraux en même temps. Donc, on va justement réguler tout ça. Dernier exemple, on va prendre le cas du zinc. Le zinc, en fait, lui, il va développer le fer. Vous avez des gens, moi j'avais le cas sur un salon, une personne qui me disait, je ne comprends pas, mes analyses, elles sont plutôt bonnes, tout va bien, si ce n'est que j'ai trop de fer, et on ne comprend pas d'où ça vient. Mon médecin, il ne comprend pas. Et en fait, je lui disais, mais qu'est-ce que vous prenez comme complément alimentaire? Il me dit, si je prends tout le temps du zinc, parce que le zinc, c'est important pour l'immunité. Et on a regardé le schéma, en fait, on s'est rendu compte que, en fait, elle avait beaucoup trop de fer, du fait qu'en fait, elle prenait très souvent du zinc. D'où l'intérêt d'équilibrer et d'être conseillé. C'est ce que je dis toujours. Moi, je dis, il faut être conseillé parce qu'on fait ses popotes, ses mixtures, parce qu'on se dit, ah ouais, ça c'est bien. Et en fait, c'est bien de faire un état des lieux, soit par des tests, réponses à des questions, on peut détecter, soit par un check, un so-check, donc qui détecte les minéraux, soit par les prises de sang, mais les prises de sang, ça dépend. Il y a des moyens par les nouveaux appareils de physique quantique, là. Ouais, je sais pas si on appelle ça. La biorésonance, ouais. Alors, il y a la biorésonance, et puis il y en a d'autres qui checkent toutes les cellules, les minéraux et tout le rythme cardiaque. Je vais faire une conférence bientôt à ce sujet. Et je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Et c'est vraiment intéressant pour justement, parce que moi, j'ai voulu le faire avant de commencer le plasma marin pour voir après.
Parce que ce que j'ai pas mentionné en début de conférence, c'est pourquoi on fait la conférence ensemble, parce que du plasma marin, j'en cherche depuis des années, parce que je sais que c'est un bon produit. Je voulais pas prendre la marque qui est diffusée partout. Et j'ai beaucoup d'entreprises qui sont venues vers moi pour que je fasse une conférence sur le plasma marin. Mais j'avais déjà testé leurs produits et j'avais pas vu une réelle différence. Et moi, je suis assez sensible à ça. Et j'attendais de trouver le bon produit. Et donc là, pour moi, si je le passe en conférence, c'est que il me semble que c'est juste. Après, chacun fera leur test. Chaque personne fera leur test. C'est important d'avoir des produits qualitatifs quand même. Parce que souvent, on veut acheter, bon, les tiens, ils sont hyper abordables. Mais souvent, on veut acheter des compléments alimentaires qui sont pas très chers et tout. Mais en fait, c'est pas ça le principe. Si vous voyez que le complément, au bout d'un mois, vous avez pas des effets, ça sert à rien de le continuer. Ça dépend des compléments. Il y en a, ils vont agir plus ou moins vite. Ça dépend des terrains. Mais moi, par principe, un complément que je vois pas d'effet sur moi, ben, ça sert à rien que je le consomme. Si je vois l'effet, je me dis « Ah, là, ça me fait bien. Est-ce que j'en ai besoin momentanément ?» Ou est-ce que j'ai une carence, j'arrive pas à combler par l'alimentation ou savoir d'où ça vient, je vais continuer jusqu'à trouver la solution. Donc, il y a des compléments ponctuels et il y a des compléments qui vont venir de manière récurrente, comme j'imagine le plasma marin. C'est tout l'intérêt, oui. L'eau de mer, elle a une certaine minéralité. Donc, on est à environ 36 grammes par litre de minéraux dans l'eau de mer. On dit qu'elle est hypertonique. C'est des mots-clés, hein, mais c'est important de le savoir. Notre corps, lui, le problème, c'est qu'on est à 9 grammes par litre de minéraux. Donc, on va toujours la mettre en osmose avec notre minéralité. C'est pour ça qu'en gros, on l'achète hypertonique, comme ce que j'ai là. Donc là, c'est vendu. Là, vous avez donc hypertonique. C'est souvent vendu hypertonique. Hein. On l'achète rarement. Ça ne sert à rien de l'acheter isotonique. Et en fait, on va la diluer par 4 nous-mêmes, donc comme un sirop, comme je disais tout à l'heure, à 25%, pour la mettre en osmose avec notre corps. C'est pour ça que justement, on va la consommer toujours diluée, toujours isotonique. Et je vais revenir dans cette expérience-là, justement, avec un monsieur, Alain Bombard. Ce monsieur, il avait fait une expérience assez incroyable. Il a voulu démontrer qu'on pouvait survivre en mer sans manger. Donc, c'était un naufragé volontaire. Et en fait, en 1952, il fait une expérience. Il veut démontrer qu'on pouvait donc survivre en mer sans manger. Qu'est-ce qu'il fait ? Il boit de l'eau de mer, diluée avec de l'eau de pluie ou du jus de poisson. Et en fait, il arrive à démontrer qu'on pouvait survivre. Il a démontré qu'on pouvait survivre plus de 113 jours. Alors, il a perdu 25 kilos, mais en fait, il a démontré que c'était un aliment à part entière. Voilà, tout simplement. Le problème, c'est que si vous prenez que de l'eau de mer, vous allez vous déshydrater parce que vous allez amener trop de minéraux. Si vous amenez que de l'eau, vous allez aussi vous déshydrater parce que vous allez vous lessiver. Tout est une question de proportion. C'est toujours une question de proportion et d'équilibre. Et c'est ce que lui, il a démontré, notamment pendant son expérience, pendant 113 jours. Donc, il a perdu 25 kilos, mais par contre, il n'a pas du tout mangé pendant 113 jours, ce qui est assez incroyable. Ouais, c'est très intéressant, cette expérience-là. Alors, en fait, je vais vous... Alors, tu me posais la question, tu me disais justement tout à l'heure... que bon, tu avais un peu trouvé la marque qui te correspondait, en tout cas, la marque que je propose. En fait, je vais expliquer quelle eau de mer choisir, d'une façon peut-être un petit peu scientifique, mais en tout cas, si vous voulez avoir une eau de qualité, une eau de mer de qualité, on va plutôt partir sur un grand océan, donc le plus grand océan dans le coin, en fait, ça va être l'océan Atlantique. On va oublier les mers fermées, notamment la mer Méditerranée, qui est une mer plutôt chaude et qui est relativement polluée. On va plutôt s'intéresser aux mers d'un grand océan. Les mers ouvertes et plutôt froides. Hein, c'est tout l'inverse. Donc, on va s'intéresser plutôt à l'océan Atlantique. On va aussi, nous, pendant la captation, essayer de trouver des eaux qui vont avoir un pH le plus alcalin possible, puisque nous, on va essayer de combattre avec ça les fameuses acidoses qu'on a. On va la récolter dans un environnement qui va être Natura 2000. Donc, c'est des environnements préservés où il n'y a pas d'activité humaine. Alors après, vous avez... deux phénomènes de courants marins, ça c'est assez intéressant. Vous avez les vortex, donc c'est un petit peu le protocole de René Quinton de l'époque. Les vortex, c'est des tourbillons marins. Les tourbillons marins, en fait, c'est ça va permettre d'aller concentrer tous les minéraux et le plancton marin, donc les minéraux, dans une zone particulière.
Le problème des vortex, c'est que c'est des tourbillons qui sont très aléatoires. Donc, on a besoin de satellites pour regarder les zones de vortex. Et ce phénomène-là, il n'est pas permanent, ce qui fait que la qualité de l'eau, elle peut être changeante. En fait. Nous, on ne va pas s'intéresser à ce vortex, on va s'intéresser à un autre phénomène qui est beaucoup plus rare. Il y a 4 zones dans le monde, on appelle ça un mécanisme de upwelling. Donc, si tu peux montrer le schéma. Oui. En fait, ce phénomène-là, ce qu'on voit là, c'est un phénomène qui fait remonter des courants froids, des profondeurs. Et parce que nous, on est justement intéressé par des courants froids. Plus vous avez des courants froids, plus vous avez des minéraux qui vont être puissants et en quantité. Donc en fait, c'est des eaux qui viennent des profondeurs. On appelle ça des deep sea water, en anglais, des eaux profondes. Et ça, ça va attirer le plancton marin donc, en hauteur, hein, donc en surface, hein, entre 50 mètres et 0 mètres de profondeur. Et en fait, lui, il va faire la photosynthèse à cet endroit-là. L'intérêt de ce phénomène-là, c'est que c'est un phénomène qui est permanent, un mécanisme permanent, donc de courant froid. Et on va avoir beaucoup plus de minéraux qui vont être biodisponibles. Et comme c'est des eaux qui viennent des profondeurs, c'est des eaux qui sont beaucoup plus pures que les eaux de surface. Donc c'est un petit peu le protocole, on va dire, moderne du protocole de René Quinton. Et donc vous avez, en plus de ça, il faut bien comprendre que les eaux d'eau profonde, les eaux de plus de 200 à 300 mètres de profondeur, c'est des eaux qui ont des taux vibratoires qui vont être beaucoup plus élevés. Pour ceux qui connaissent, il y a l'énergie terrestre qui vient se mélanger à tout ça, en quelque sorte, avec ces eaux-là. Donc forcément, au niveau vibratoire, on va avoir un phénomène qui va être beaucoup plus puissant. Voilà. Alors, dans tous les cas, elle va être filtrée à froid. Hein, c'est une obligation légale. On la filtre à 0,2 ou 0,5 microns. Et après, là, on voit sur ce schéma, le prochain schéma, là, justement, si on regarde, donc c'est la profondeur de l'eau, hein, entre 0 et 300 mètres de profondeur. Si on prend la courbe violette, donc la troisième en partant de gauche, non, la quatrième, pardon, on voit que plus on va chercher des eaux profondes, plus vous avez un développement nutritionnel, plus vous avez de minéraux. Et moins vous avez de lumière. Voyez. Donc c'est des eaux profondes qui remontent à la surface et par la lumière avec la photosynthèse, on va avoir donc des minéraux qui vont être, on dit, chélatés, biodisponibles. Voilà. En fait, il y a une zone, hein, c'est un peu technique, mais une zone à partir de 200 mètres de profondeur, on appelle ça la thermocline, et qui délimite les eaux profondes des eaux de surface. Donc ça donne des eaux beaucoup plus puissantes quand c'est des eaux profondes. Juste pour finir par rapport à ça, vous allez avoir sur le marché deux types d'eau de mer commercialisées. Ce n'est pas très connu, mais il faut le savoir. Vous avez des usages alimentaires, donc c'est-à-dire que c'est des eaux qui sont sans limite de consommation. On peut en prendre autant qu'on veut, comme n'importe quelle boisson, un jus d'orange, etc. Et puis, vous avez des eaux qui sont d'usage complément alimentaire ou cuisine. La première, en fait, nous, en gros, on s'est basé dans les normes des eaux potables. Donc, c'est les standards européens et français. Donc, on va diminuer la teneur en bore. Le bore fait partie des minéraux, sauf qu'il est un petit peu trop élevé. Il y en a entre 4 et 5 mg par litre. Et donc, nous, on va réduire cette teneur en bore. Bon, on fait une électrolyse, en fait. On va se mettre sur la même fréquence, si vous voulez. Et ça, ça va permettre d'avoir une eau qui soit sans limite de consommation. Voilà. Et après, vous avez les autres types d'eau qui sont des compléments alimentaires ou cuisine. Et ça, c'est la majorité du marché. Sur le marché, oui, dis-moi. D'accord. Donc, c'est pour ça que je vois une différence avec ton plasma marin. Voilà, je n'avais pas la réponse parce que je me dis, bon, je sais qu'il y a la qualité, je sais qu'il y a les courants marins et tout ça. Ouais. Maintenant, j'ai beaucoup plus de compréhension. Pourquoi ? Parce que je lis, comme tout le monde, les tests scientifiques et tout ça. Mais si sur le papier, c'est bien et que dans mon corps, je n'ai pas les effets, c'est que ce n'est pas bien. Ouais, Je me fie à, OK, est-ce que ça va m'améliorer ? Si ça ne m'améliore pas, j'arrête, je ne veux pas continuer. Bien leurs tests scientifiques et tout ça, mais je pense que ce sont nos corps qui doivent dire si c'est bien ou pas. C'est ça. Moi, j'ai eu le cas de personnes qui consommaient des eaux provenant de la mer Méditerranée, notamment, et ils m'ont dit rien qu'au niveau du goût, il y avait une rondeur en bouche qu'ils ne retrouvaient pas dans les autres eaux, quoi, vous voyez. Tu vois. Donc en fait, c'est pas anodin, quoi. Il y a quelque chose. Il y a le courant, le fait que ce soit une eau profonde, et puis c'est l'usage, le fait qu'on ait diminué la teneur en bore, ça fait un produit qui va être vraiment à part, quoi. La qualité, ça se reconnaît, hein, en général. C'est juste pour un petit peu synthétiser. Ah oui, ton protocole.
Voilà, tout à fait. J'ai mis en place un protocole avec les trois produits. Vous pourrez revoir, si vous voulez, la première vidéo donc sur la partie argile et salve de bouleau. En gros, l'argile, elle va permettre d'aller cicatriser la flore intestinale, amener un pansement interne. Ça va notamment limiter tout ce qui est un petit peu produits chimiques, médicaments, etc. Donc, on va être vigilant pour ceux qui ont des médicaments. On prend ça toujours loin des repas. Donc, on va prendre ça plutôt le soir, 3 grammes dans un verre. Et le matin, on va prendre la sève de bouleau lactofermentée. Juste pour rappel, la sève de bouleau lactofermentée, donc c'est une sève qu'on a laissée reposer 5-6 mois. Elle va être un peu notre fournisseur de bonnes bactéries. Et ça, qu'est-ce que ça va faire au niveau du corps? Ça va nettoyer les émonctoires, donc le foie, le côlon, la peau, les poumons, le système digestif. Et en même temps, elle a un effet probiotique. Elle redéveloppe la flore intestinale. Avec ces deux éléments-là, donc là, pendant 21 jours, un verre le matin, ça va permettre d'aller, en gros, bichonner la flore intestinale. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur un moyen. C'est un moyen de, c'est-à-dire que notre flore intestinale, c'est 60% des défenses immunitaires, et elle va permettre, en gros, de transformer les minéraux en énergie. Le problème, c'est que si on a une porosité intestinale, l'eau de Quinton qu'on aura bu, l'eau de mer qu'on aura bu, elle aura elle sera assimilable à 60%, puisqu'en fait, notre flore intestinale, elle ne sera pas au top. Donc, on va d'abord bichonner la flore intestinale, et après, on va se réhydrater, on va faire une vraie détox cellulaire avec l'eau de mer. Et là, on va toujours la diluer avec de l'eau. Ok, super, super, super. Bah, écoute, merci beaucoup, Grégoire. C'était vraiment très, très intéressant. Je ne doutais pas, hein, évidemment, suite à nos conversations, je ne doutais pas. Ah oui, il y a un code promo. Oui. Donc, vous avez moins 7% avec le code GWEN, donc GWN en majuscule. 7%, c'est beaucoup pour Grégoire parce que ce sont des produits de qualité et que ces prix sont au prix juste. Donc, ça n'a pas été simple, mais je sais que maintenant, beaucoup de personnes fonctionnent avec des codes promo, donc il a fait un geste. Donc, merci pour ça. Et donc, vous avez son lien, le site seminéraliser.com, sous la vidéo, vous pouvez cliquer et vous allez voir aussi le code promo qui est là. Vous pouvez aussi revisiter la vidéo précédente sur l'argile et la sève de bouleau. Et si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, vous pouvez partager cette vidéo. Voilà, on vous embrasse très fort, les amis. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Salut.